Là, nous allons prendre direction nord-ouest, particulièrement, nous allons aller sous tronçon Jean-Rabel, Port-de-Paix. Oui, puisque le département, ça a un focus, nous mettez sous lui depuis quelques temps, vous remarquez ça d'ailleurs, parce que c'est un département qui a fait route, qui n'est pas en bataille du tout, qui était derrière la camionnette là, qui a pris les Yogan, maintenant, il faut qu'il fait. Non seulement pour faire tronçon et Kafoujof en Safola, mais tout, ensemble de communes en un département, il faut qu'il a fait un cadre 40 ans pour faciliter l'interconnexion. Communion. Jeudi, nous avons fait une visite sous tronçon, pour de paix, Jean-Rabel, pour nous voir est-ce qu'il y a un travail effectivement qui a fait sous tronçon ça, à quel niveau il y a ce travail qui a fait et qui ça, ça a capable de porter comme différence dans la vie mondiale et dans quel sens ça a capable d'aider tout, nous permettre à monde qui vivent dans un an, sortir non point à l'autre. Richardson Joudan, avec Laurent, Ali Jean-Jacques, et puis Célestin Apmené, nous sous tronçon, pour de paix, Jean-Rabel, dans le département nord-ouest, quoi il est là. Week-end ça encore, Télévision Nationale d'Haïti souterrain, toujours dans la même idée, montrer la population, soit présenter la population comme en réalité dans différentes régions dans le pays. Là, nous dans le département nord-ouest, pays d'Haïti, sous route, port de paix qui a mené Jean-Rabel là. Il y a un travail qui a fait sur route là, nous avons un pile technicien, travaux publics, transport, communication, qui sur route là, c'est ça que fait nous là, c'est toujours, je ne saute là, montrer population qui travaille qui a fait. Nous allons parler avec les techniciens et puis les gens dans la zone là, ils même qui pourraient dire nous comment ils ont travaillé ça qui a fait sur route, port de paix, Jean-Rabel là. Nous invitons à suivre. Au niveau du travail que j'ai fait pour Bolaka, je m'apprécie de travailler en pile. Et je connais le travail en pile. Et travail ça, au moment du travail que j'ai fait là, tout ça, nous avons un bon changement quand même dans la vie. Quand même. Le travail ça a commencé de port de paix pour Albout, Jean-Abel. Nous même qui fréquentons la route ça, nous avons soif de travail ça. Oui, nous avons soif de travail ça en pile. Et ce travail ça, nous avons longtemps. C'est quand nous avons arrivé fait là, nous avons travaillé en pile. Les zones ça va être bon même. Non, les zones ça va être bon. Depuis la pluie tombée là, la boue était bien, mon pile problème, là, votre café rien. On y a côté. Quand nous avons commencé là, quand même nous connaissons la route là, les nets, bel travail, bel travail. Route là, t'es quoi le bon problème? Un peu le problème en pile. Parce que comme il y a travaillé ça nous avec café là, qui a fait, qui a une petite solution puis devant. Parce que dès là nous mettons un bleu là, celui là, la fin nous devient net. Nous bien contents ça qu'a fait là. Le travail ça qui démarre là, nous commençons satisfaits. Oui, nous commençons, nous contents pile. Bien démarré parce que le travail là il y a un problème nous avons une solution puis devant même pas de travail qui était fait là même c'est année à même nous travail ça a démarré là que nous comptons pile parce que nous puis devant nous avons un pile au plus au moins parce que nous avons être capable intéressé nous depuis devant c'est-à-dire pendant un passage caravane changement là et les ça route ça il y a aussi moyen là oui il y a aussi moyen là c'est qu'on y a même nous que mon cher nous gagne de nous. Parce que nous, ça fait activité ça doit démarrer là, que nous comptons pile. Je suis content de travailler là, fait là parce que la route là, il fouille tout. La moto a un problème, la machine a un problème. Quand il est venu ranger, nous sommes contents, il est plus bon. Mon travail comme ça, cap fait, c'est bon pour tout le monde, zone non net, parce que les lapins tombent, c'est nous tous qui avons un problème. Si on travaille fait comme ça, là, ouais, son bel bagage qui fait tout zone non. Bon, son travail qu'a fait qui t'a levé tête zone là tout depuis gain route au travail là c'est bien mais nous aimer travail là j'en la fait là même parce que depuis tant depuis routine nous ça il nous sin faire route là pas de gain bagaille pour n'importe qui l'appli la bou moto bagaille bouchan bagage arabel machine même c'est brimade d'assurer si route là fait tu as filmé tremblé pour nous c'est belle bagaille là bien pour nous
me senti content parce que moi dans l'île route là pas de bon lorsqu'on moto même les à pied sous ta casse puis ou abdommagé avait dit les travail la vie a fait comme ça là pas amélioré nous plus senti à l'aise de ça on ça me là bon son fierté pour nous une route là caille nous li bon parce que puis devant là bon nous pas senti nous bien même on t'il a pli tombé c'est un pile tracas difficulté pour nous fonctionner dans la route là. Bon, actuellement là on a travaillé sur le port du Bergeon Rabel côté nous a fait le profilage et monsieur Guen Rambler qui a mis tout on a pas avancé mais nous avons un travail quelques matériels que nous manquons tout nous avons un gain parce que nous avons un camion citerne sous ta poussière dans la route là là c'est à cause des camions citernes nous pas gain qui importance travail ça gain pour mon zone là. Bon, c'est pas seul pour mon zone, non, c'est pour tout le pays à travers là. Bon, parce que les présidents travaillent, li bon pour le pays, li bon pour l'autre nation, tout, pour le travail là, qu'a fait là. Voilà, c'est comme ça la réalité a présenté sur route pour des pères Jean Abel. Il y a un pile de travail qui a fait sur route là, il y a un élargissement qui a fait, il y a un terrassement qui a fait, et puis tout le monde boule de zé qui là pour compacter terre, là, il faut faire travail ça sous lui. C'est comme ça la sur route pour des pères Jean Abel là. Nous parlons avec techniciens, nous parlons tout avec les gens dans la zone, même qui montrent l'importance du travail ça a gagné pour tout le monde qui a fréquenté la route ça. C'est ça qui fait, ils souhaitent travail ça qui commence là pour ne pas camper. C'était Richardson Joudan pour Télévision Nationale d'Haïti. On a toujours été dans le département Nord-Ouest. Cette fois-ci, nous allons parler avec le responsable TPTC département, Jean-Serge Giraud. Avec lui, nous allons regarder ensemble le travail qu'a fait dans le département. Question tronçon route Kafou Jean-François Foller. Nous sommes là, nous allons regarder un détail sur lui, dans quel niveau de travail vous est. Est-ce qu'il a avancé, si vous avancez côté oui, si vous avancez tout ce qui s'est passé. Et puis l'autre tronçon route. Fait. Nous sommes gardés pour le père Jean Rabel, mais il y a un pile l'autre tronçon route qui mérite fait. D'ailleurs, j'en ai dit tout à l'heure, c'est un département d'affaires route là, il y a pas la dent vraiment, il a gagné fort, et c'est un objectif car maintenant c'est arriver doté le département ça de ensemble d'infrastructures routières. Nous allons aborder tout ça quand pile l'autre point qui vient pour AXA TPTC a réalisé dans le département Nord-Ouest avec Jean-Serge Giraud qui a répondu à une question, Richardson Jourdan avec Laurent Darly Jean-Jacques. L'idée pour faire population connaître qui ça cap fait en termes de travail dans le cadre de caravane changement dans le département Nord-Ouest. Là, nous avons avec nous le directeur départemental Travaux publics, transport et communication Nord-Ouest, là, qui c'est ingénieur Serge Giraud, lui-même qui bral ban un bilan de divers travaux qu'il a déjà fait et puis tout qui ça a en perspective. Ingénieur Serge Giraud, nous saluons. Saluons tout. Donc, on est caravane depuis le mois de février dans le département Nord-Ouest. Là, dis-nous qui ça qui fait déjà. Effectivement, faut nous te connaître une planification pour trois grands axes qui te gagnent, Port de Paix et Kafoujof, Port de Paix Saint-Louis du Nord pour Givet en Safouleur et Port de Paix Jean Rabel. Et comme vous connaissez, vous avez là, nous commençons avec Port de Paix Kafoujof là, vous connaissez des travaux de revêtement qui fait et ainsi que de d'élargissement et de nettoyage qu'a fait tout pour faciliter l'accessibilité, pour augmenter l'accessibilité. De même, nous sommes arrivés jusqu'à Bassin Bleu, mais une équipe tout qui sortit de la CUL qui a pu nous rencontrer nous Bassin Bleu. Pour le moment, nous sommes capables de dire, pour tronçon ça, l'accessibilité a augmenté et que c'est plus ou moins facile pour une sortie en attendant que le travail a fini pour arriver à travailler béton et asphaltage a fini pour arriver à Port de Paix. Quand vous êtes sur le Kafoujof Port de Paix, nous connaissons le béton qui peut couler dans le monde, qui est côté de l'asphalte. Pourquoi ça, telle zone c'est béton et puis l'autre zone c'est l'asphalte? Bon, actuellement à l'étude, parce que normalement, vous devez passer dans le monde là, vous pouvez voir que nous commençons à implanter fossé. Et normalement, si tenant compte de l'eau
quantité de l'eau qui a monté sous chaussée, on pense que le béton est beaucoup plus résistant, on est capable de venir avec béton. Mais toutefois, parallèlement, nous sommes capables de venir avec bitume tout, parce que c'est certain, on a fait fossé maçonnique pour ramasser de l'eau pour aller béton dans l'exitoire. Normalement, ça va dépendre de qui j'ai la situation présentée. Okay. Oui, nous avons un terrassement avec élargissement qui continue à faire sur route pour de paix Cafoujofa. Oui, pour de paix Cafoujofa, il s'est fait en deux temps. Premier temps, c'est le travail de revêtement qui a fait. Il faut joindre tout, l'ouvrage que nous avons construit tout. Et dans le deuxième temps, c'est permettre ou du moins augmenter l'accessibilité pour sortir la cul là pour arriver pour de paix. C'est la deuxième possibilité. Et pour zone ça, le travail l'a avancé là. L'a pas avancé, très 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 bien. Et dans un deuxième temps, pour le deuxième tronçon, c'est le tronçon Port-de-Paix Jean-Rabel. Port-de-Paix Jean-Rabel. Actuellement, on travaille sur Port-de-Paix Jean-Rabel là. Mais forme du tout, le ministère là, c'est un tronçon qui prend à cœur. D'autant plus que nous qui avons fait schéma itinéraire là. Schéma itinéraire là, veut dire que sur chaque kilomètre, approximativement, qui ouvrage, quantité d'ouvrage que nous avons pour nous faire et qui quantité de nous avons pour nous dépenser. Et le ministère a envoyé une équipe dans ce sens là. Pour capable à l'avenir bon travail qui est beaucoup plus consistant que ça n'a fait qu'on y a, parce que ça n'a fait qu'on y a là, c'est des travaux de nettoyage, d'élargissement qui pour en quelque sorte là encore pour augmenter l'accessibilité pour le Père et Jean-Rabel. Pour le Père Jean-Rabel là, combien de kilomètres lié? C'est 46 kilomètres que lié. Et pour zone ça, il y a un côté qui a asphalte ou bien béton ou bien tout ces asphalte? Bon, forme d'où c'est une zone qui est prolongée par environ deux bassins versants et gros travail c'est traiter bassins versants. Et où qu'on est les bassins versants pas traités, c'est certain que débit que la baie là, li vin en quelque sorte pas répondre section ouvrage qui existait yo, li pas répondre à débit qui a la recevoir là. À partir de ce moment, il y a un refoulement qui vient monter sous chaussée yo qui dégâts qu'a fait. C'est ça que nous tenons compte de tout genre de travail sur qui pour faire. Et pour Saint-Louis-du-Nord là même. Bon, pour Saint-Louis-du-Nord, nous te font intervention sur lui là déjà, mais nous pourrons lui faire une autre intervention sur lui. Et comme on connaît déjà, Saint-Louis-du-Nord fait partie de grand axe Cafoujof, port de paix en sa fouleur. Ok? À pour le moment, nous pas avec une disparité pour aller trop loin, pour nous faire des ouvrages, des travaux publics de manière isolée. Étude ça, il sortit Cafoujof pour tomber port de paix pour tomber en sa fouleur. Mais quand même, comme tu sais déjà, il y a des travaux, des travaux, des agissements qui ont fait tout pour augmenter l'accessibilité. Tu as oublié que nous avons dit qu'il y a un chantier dans la région? Effectivement, bon, nous pas dit dans la région seulement, partout, dans tout le département. On n'a pas eu des zones pour là, ça que... Bon, effectivement, parce qu'on parle des travaux publics, effectivement, nous avons un chantier. Et pour nous continuer tout, nous avons des travaux de bétonnage tout. Et nous avons fait dans Ristenou Vincent. Pour le moment, nous commençons avec des capages, nous commençons à faire un blé. De même, tout à Bion, dans la zone de localité Saint- et Chansol, il y a un bétonnage qui a fait dans mon nas et que n'a pas avancé. Oui, c'est une version pas là, et dans la ville de Port-de-Paix. Dans la ville de Port-de-Paix, lié. Dans la ville de Port-de-Paix. On a là, on a fait préparation pour mettre le béton là-dedans. Effectivement, nous avons fait des capages, nous commençons à faire un blé et que d'ici mardi, lundi, mardi, il faut nous commencer avec béton. Après, c'est une version qui coûte encore. Bon, il y a des programmations que vous faites, il y a plusieurs qui sont programmées, mais pour le moment, c'est ça nous entamons pour le moment. Nous avons bien tout dans la zone Chansol et dans la localité Chansol qui est la première section Chansol qui a fait bétonnage à fait là-dedans. Et pour ville de Port-de-Paix, son nettoyage canal, nous connaissons le problème de la ville. Bon, t'es une étude, le ministère a une étude qui était faite et normalement, plus gros problème là, c'est là encore ces problèmes bassin versant qui pas traité et une étude qui était faite au lieu pour te de l'eau à te venir dans la ville Port-de-Paix après si vous êtes capable de vous faire retourner pour la nettoyer rivière. Et en tant qu'on étude ça pour nous connaître qui ça cap décider. Un second message pour tout le monde dans notre salle. Bon, c'est fait à vous plus confiance, rien n'a travaillé pour vous. C'est ça que nous avons un second route, c'est nous. Eh, route, c'est nous, c'est ça, très bien. Merci, ingénieur Sergio. Et moi, c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est comme ça, ça est là. Nous sommes des réactions du directeur départemental TPTC dans Nord-Ouest, qui est ingénieur Sergio. Lui-même qui saute dans un bilan de divers travaux qui ont déjà réalisé dans le département Nord-Ouest. Il parle nous de travail route. Cafoujof Port de Paix qui a avancé, il y a un travail tout qui a fait qu'on y a Port de Paix Jean-Rabel, travail qui a fait dans Saint-Louis du Nord, il y a un travail tout qui a fait dans la ville Port de Paix. Nous sommes capables de dire que région de Sali en chantier à travers travaux de transport et communication. Le directeur a montré satisfait par rapport à ce travail qui a avancé dans la région. C'était Richardson Joudan pour la Télévision Nationale d'Haïti. Caravane n'a pas seulement voulu infrastructure routière, hein, parce que ce n'est pas seulement faire route.